Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 18 octobre 2024. Donc, tout d'abord, ben, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, chez vous et votre petite famille, que tout est simple avec ces intempéries dans le sud. On n'est pas gâtés, mais nous, ça va, on n'a rien, on est dans le sud du Gard. Donc, on va passer sûrement à côté encore, malgré quelques annonces un peu de pluie, mais je ne pense pas qu'on soit touché. Le plus, c'est vers la Lozère, c'est un peu plus haut. Bon, c'est pas bien loin, hein, parce que j'y vais chaque été en Lozère. Hein, mais voilà. Donc, bon courage à ceux qui sont dedans. Voilà, je connais, hein, là où j'étais, ça a bien morflé il y a des années de ça. On connaît. Donc, pour ce mercredi 16 octobre, on a eu un pick 5 à 156,70 € quand même. C'était la R1 C8. Et puis pour le jeudi 17 octobre, j'ai regardé un peu l'arrivée Quinté. Malheureusement, on passe à côté. Voilà, c'était bien parti, hein, le 10 et le 9 qui passaient. Et voilà, le 5 qui vient de se mettre au milieu. Avant le 11 qu'on avait aussi, malheureusement. Donc, passons au prono de ce vendredi 18 octobre. Mais tout d'abord, les amis, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Donc 862 abonnés, donc vraiment je compte sur vous les amis, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est en description sous la vidéo et en fin de vidéo vous l'aurez également. Merci à tous ceux qui le font et qui le feront. Franchement, merci à tous. Voilà, chaîne très importante pour moi, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Désolé. Donc on va passer au prono, ma méfiance, comme d'habitude les amis, fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, passons au programme du Quinté déjà, avec cette course qui sera pas trop mal, assez ouverte. Donc c'est la R1 C4 à Vincennes, à 20h15, c'est le prix Témis. C'est de l'attelée sur 2850 mètres, il y aura 14 partants, 68 000 euros d'enjeu. C'est une course européenne et une corde à gauche. Donc voilà, belle petite course. Donc on verra ça pour ce vendredi 18 octobre à 20h15. Croisons les doigts. Voilà. La liste des partants, la voici. Donc n'hésitez pas à faire pause et faire un petit zoom. Voilà, donc à vous de voir. Après, si c'est trouble, il faut changer la résolution, hein, puisque je suis à 1080, donc ça devrait passer aisément. Mon niveau de confiance, 3 sur 5 pour cette course-là. Pas de long partant à l'heure où je fais la vidéo, à voir ce vendredi, mais généralement le mets dans les commentaires. Donc voilà, je vous laisse faire et regardez les commentaires, les amis, vous aurez tout d'affiché. Le prono, on commence avec mon favori qui sera le 3 Lucky Guy Boko, qui sera drivé par Beauchesne. Ma base sera le 5 Icar de Fitz, drivé par Barrier. Mes outsiders seront le 8 Indienne de Fontaine, drivé par Nivard. Le 10 Here We Go, drivé par Dubois. Et le 1 Caligola Laser, drivé par Gallo. Mon regret, le 11 Hibiscus Man, drivé par Larue. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 3 et le 5. Mon 2 sur 4 combiné sera le 3, 5, 14. Mon couplet sera le 3 et le 5. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 3, 5, 14. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 3, 5, 14, 8. Mon tick 3 sera le 3, 5, 14, 8 et 9. Mon multi en 7, champ total, sera le 3, 5, 14, 8, 9 et 10. 9, pardon. Mon multi en 7 champ total sera le 3, 5, 14, 8, 9
10. Alors, si je fais des petits lapsus, tout est marqué là, hein, vous inquiétez pas. Pour ce qui est de mon multi-ancêtre normal, ce sera le 3, 5, 14, 8, 9, 10, 4. Et pour ce qui est de ma sélection ou de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, ce sera le 3, 5, 14, 8, 9, 10, 4 et 1. Donc voilà les amis pour le pronostic de ce vendredi 18 octobre. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter les amis. Et puis on va passer à ma méfiance dès que tout aura défilé. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo. Vraiment très important les amis. Sinon allez à la fin de la vidéo, vous aurez le lien pour y aller. Et puis on va passer à ma méfiance dans quelques instants. Donc on va y aller aisément. Voilà, tranquillement. Allez, encore quelques secondes, les amis. Alors, j'ai mon Mikado, je sais pas ce qu'il a vu dehors, si c'est un chat ou autre chose. J'espère que c'est un chat, pas autre chose. Parce que vraiment là, je me ferai un peu de soucis. Donc, vous voyez, là, il râle un peu parce qu'il veut aller là-bas, dehors. Donc, on va y aller après les pronos. Je lui dis, hein, Mikado, après les pronos. Parce qu'elle est là-bas. Et là-bas, ça ne va pas le faire. Allez, on passe à ma méfiance, les amis. C'est parti. Ma méfiance du quinté après cette petite interlude. Je m'amuse avec mon chat, mais j'oublie le pronom. Donc, ma méfiance sera le 7 If You Can, qui sera drivé par Verva. Donc, Verva, qui n'est pas un jockey que j'apprécie fortement. Donc, voilà, souvent je le mets dans mes méfiances ou en regret. Mais voilà, ce n'est pas un jockey que j'apprécie. Des fois, c'est même pas par, pardon, désolé, hein, mais c'est même pas par rapport au cheval, mais c'est surtout à ma méfiance, au jockey. Donc, vous voyez, Verva, le jockey, Verva, l'entraîneur, c'est un nombre de 6 ans déféré des pieds avant. Donc, ses dernières courses, non classées, 9e, 2e, 1er, 1er, 2e, 6e, 2e, 6e, 3e. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas par rapport au cheval, c'est totalement vrai. Donc, 5 courses courues, 2 victoires, 1 place. Ça reste un très bon cheval. Mais pour ma part, moi, je l'enlève, ce numéro 7, If You Can. Voilà, je ne le vois pas dedans. Verva, compliqué avec ce jockey. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Après, vous êtes libre de vos choix, les amis. Hein, vous pouvez l'incorporer dans vos jeux sans problème. Voilà, donc, à vous de voir. Ben décidément, je suis KO. Donc, les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Le lien en description sous la vidéo ou en fin de vidéo. Donc, maintenant, vous l'aurez là ou ici. Sur ce, les amis, plein de poutous. Et on se revoit sur mes autres vidéos ou demain. Bye!